J'ai eu le plaisir d'intervenir sur une semaine intensive sur le design thinking. C'est quoi le design thinking? Quatre éléments essentiels: l'observation, la vision, la narration et l'implémentation. Donc j'ai vu cinq groupes. Ces cinq groupes ont travaillé sur des concepts innovants. C'était de tirer au sort donc une cible et un secteur d'activité. Donc avec mon groupe, c'était donc les agriculteurs et l'équipement de la maison. Et donc on a réussi à vendre une super centrale autosuffisante qui permet d'utiliser les déchets organiques et de les valoriser en énergie. La difficulté, c'est de vraiment aller jusqu'au bout du truc et prendre assez de recul pour finaliser le projet comme on souhaite. Et sinon, l'objectif, je pense que c'est justement de nous mettre dans ces conditions-là pour pouvoir appuyer là où il faut. Je pense que j'ai appris déjà les techniques de design thinking, principalement, c'est quand même le but. Et aussi pour ce qui est du pitch et d'une présentation en 3 minutes, ce qui n'est pas évident et qu'il va falloir encore un petit peu travailler. Donc on a eu à mener un projet de communication à 360 sur toute l'année. C'est passé par plusieurs étapes, donc c'est passé par le marketing, le design thinking, la strat de com et la création graphique au premier semestre. Et ensuite on a enchaîné avec la strat des moyens, la strat online et le budget au second semestre. Et après on a présenté tout ça devant le jury lors d'un oral.